Please subscribe to this channel and also tap the notification bell in order for you not to miss out on any of our videos. In a report broadcast on Sunday, July 26, 2020, in the 8 p.m. newspaper of Visioncard, journalist Bruno Bijang reports on the passage in sounds and colors of the head of state in a village in the department of Jah and Lobo when he was going to his native land. President Paul Biya and his wife have been staying since Saturday, July 25, in Vomeka, in his native village, the newspaper Led Bled Pal has learned. While going there, the locality of Mpang, located in the district of Sangmalima, greatly distinguished itself by the reception reserved for the presidential couple. To the rhythm of the traditional instrument called Menjang, the populations used their vocal cords to sing and their bodies to jiggle in honor of their champion, who wrote, according to our colleague, a notebook of return to the native land to take up the title of the late writer Aimé Cesse. Je suis très émue d'arriver dans mon village avec très d'émotion et beaucoup de joie dans mon cœur de voir notre président Paul Biya passer devant moi. Et je le témoigne parce que je viens de Douala où tous les opposants savent que le président Paul Biya est mort. Je le témoigne devant tout le monde, je vous assure, je l'ai vu de mes propres yeux. Et Melda, président Paul Biya est vivant. Je ne sais pas comment exprimer ma joie de... Tellement nous l'avons vu en direct, ça me donne tellement une grande joie. Je suis émergée de joie. Biya, c'est un fait. Adil est là où vous le croyez, il n'est pas là. Voilà Biya qu'on voit à vue d'œil. C'est un revenant toujours. Adil fait un point, un trait. This euphoria also born from the fact that a rumor fueled by social networks and certain press announced the death of President Paul Biya of the Republic. Skeptical despite Paul Biya's TV appearances, the population of the South have had enough to silence all speculation and can now state it bluntly: Paul Biya is alive and well. Je peux vous le confirmer. L'homme que vous avez déclaré mort, enterré, il est bel et bien en vie. Je viens de le confirmer maintenant. Je dis bien que je viens de le confirmer maintenant. Il est bien vivant. J'insiste, il est bien vivant. Il s'appelle Biya Bivondo, comme je m'appelle Vondonkoto. Oui, il est bien vivant. Les gens qui disaient qu'il était mort, il ne faut pas que leur rêve soit un cauchemar. Et leur rêve est devenu un bon cauchemar, alors que lui-même vient de passer ici et tout le peuple camerounais l'y voit. Il est bien vivant. Il est parti se reposer dans son palais en Vomeka.